Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Bon Citoyen, l'émission de UCATV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons de l'impact de l'hygiène sur la santé. Alors, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau de UCATV Madame Wala et Martha. Elle est vice-présidente de Atarikad. Alors, bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous vous portez? Je vais bien. Merci d'avoir répondu une fois encore à nos invitations, à notre invitation. Ça me fait plaisir. Alors, dites-nous ce que c'est que Atarikad. Atarikad, c'est une association des tantines de la région de la Kara pour le développement. Okay. Donc, nous sommes là dans les domaines de santé sexuelle et reproductive. Ok, alors nous sommes là pour parler ce soir de l'impact de l'hygiène sur la santé. Alors, une question pour commencer. Qu'est-ce que c'est que l'hygiène selon vous? L'hygiène, c'est un ensemble de mesures qu'on peut adopter pour éviter de nuire à notre santé. C'est l'ensemble des principes ou bien des pratiques individuelles ou collectives visant à la conservation de la santé ou bien au bon fonctionnement normal de notre organisme. Ok, alors, qu'est-ce que, en français facile et de manière très succincte, est-ce que vous pouvez nous diluer cela? Ok, c'est une gestion de propriété dans nos maisons, au sein de nos maisons ou bien tout autour de nos maisons. Ok, alors ça veut dire que lorsqu'on parle de l'hygiène, qu'est-ce qu'on doit voir concrètement dans la vie d'une personne dans une maison ou bien dans une communauté pour qu'on puisse parler d'hygiène? L'hygiène a trait à la propriété. Okay. À la propriété. Ok. Alors, peut-on, selon vous, avoir, quel est le lien que nous pouvons établir entre l'hygiène et la santé? Oui, si l'hygiène est mal pratiquée, on va nuire à notre santé. Donc, c'est parce que on ne fait pas une bonne hygiène que nous avons des maladies. Donc, c'est en quelque sorte ce qui se passe quand on ne gère pas bien une bonne hygiène, c'est qu'on court des maladies. Ça peut être contagieuse ou ça, c'est beaucoup de maladies en cours. Alors, dites-nous, hein, madame, quand vous parlez d'hygiène, je me réveille chez moi à la maison. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour qu'on puisse dire que je pratique une bonne hygiène? Le matin très tôt, quand on se lève, surtout nous les femmes, la première des choses, on balaye les cours. Et après, on va, on se douche, on revient à la cuisine, on fait la vaisselle et avant de commencer par préparer. Donc il y a des choses préliminaires qu'on doit faire avant de faire notre repas du jour. Okay. Donc, ça veut dire que l'hygiène doit commencer d'abord par la chambre. Oui. On doit balayer aussi la chambre. Oui. Et la cour, la cuisine, la vaisselle. Et nous-mêmes, on doit se doucher avant de commencer par préparer. Parce qu'on a des infections sur le corps ou bien lors de la cuisine comme ça, la sueur. Si on a des sueurs comme ça, ça peut tomber dans les repas et c'est ça qui nous donne des infections. Qui nous donne des maladies contagieuses. Alors, lorsque vous parlez d'hygiène et que vous parlez des actes concrets par rapport à l'hygiène, vous semblez ne parler que des femmes. Est-ce que l'hygiène ne concerne pas les hommes et les enfants? Oui, ça concerne les hommes et les enfants. Mais pourquoi je touche tellement les femmes? Parce que c'est les femmes qui veillent à ce que l'homme aussi soit propre. Tu vas voir, l'homme, lui, s'en fout. Quand il se réveille, et très tôt le matin, il suffit qu'il brosse ses dents, il se douche, il part. Mais la propriété même à la maison, c'est la femme. Les enfants aussi, s'ils sont grands, ils peuvent aider leur maman dans les tâches domestiques ou bien ménagères à pratiquer cette bonne hygiène. Ok. Donc maintenant, en dehors des mesures dont vous venez de parler, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Parce qu'on a constaté dans nos communautés, hein, que la plupart du temps, les gens tombent malades et quand ils vont, par exemple, dans les hôpitaux, on leur dit « c'est parce que vous ne pratiquez pas l'hygiène ». Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que, par exemple, cette relation-là soit rompue? Ok, nous, en tant que tantine, nous sensibilisons
les gens. Par exemple, on fait des sensibilisations en masse, par des mégaphones. Ça peut être par des mégaphones, ça peut être aussi porte à porte, ça peut être aussi par projection de films. Donc, pour montrer, quand c'est une projection de film, la personne est en train de voir les faits réels. Et c'est ça qui va attirer plus son attention. Et là, elle revient pour pratiquer une bonne hygiène pour éviter les maladies. Donc, vous essayez de sensibiliser le public, oui, autour de vous, dans la communauté. Par exemple, nous sommes dans la commune Kosa 1. Comment est-ce que ça se passe? Vous allez dans les marchés, dans les écoles. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que... C'est ce que j'ai dit, il y a trois mesures, c'est-à-dire on passe pas à porte, c'est-à-dire dans les maisons, ça. Oui. Porte à porte, c'est les maisons. On touche toutes les maisons. Déjà même, on doit avoir un lave-main, oui, à la devanture. Oui. Parce que quand tu reviens du champ, bien, tu vas aux toilettes, tout ça, tu dois laver les mains avant de rentrer à la maison. Okay. Donc on commence par là. Oui. Tout le monde doit avoir des dispositifs de lavage de mains. Et maintenant, dans les marchés, surtout les femmes qui préparent à manger, c'est-à-dire les bonnes femmes, on les parle. Souvent, elles ne couvrent pas sur les aliments. Et vous voyez qu'il y a une exposition des mouches. Donc c'est ça, c'est les mouches-là qui mettent des microbes. Et quand nous consommons, ça nous crée des problèmes. Du coup, vous arrivez à toucher ces femmes-là pour qu'elles changent d'attitude. Est-ce que vous arrivez... Vous constatez un changement d'attitude à leur niveau? Oui, bon, au fait, depuis qu'on a mis l'association sur pied, oui, ça fait 2 ans. Et actuellement, on a déjà touché plus de 30 000 personnes. Oh là là. Pour nos sensibilisations, on a déjà touché plus de 30 000 personnes. Donc, je pense que l'information se passe. L'information se passe, mais seulement il y a des gens qui sont réticents là-dessus. Ce n'est pas tout le monde qui le pratique. Donc, c'est ça. Ok, alors maintenant parlons des maisons. Nous avons parlé des maisons. Si nous sortons des maisons, par exemple, nous sommes à Kara ici. Quand on se promène dans la ville de Kara, on voit de l'herbe partout devant les maisons. On n'a pas des fois l'impression d'être dans une ville. Les téléspectateurs doivent m'excuser cela. On n'a pas l'impression d'être dans une ville. Alors, vous pensez que vos messages passent effectivement? C'est ce que je dis, les messages, ça passe. Il y a peu de personnes qui le pratiquent, malheureusement. Il y a d'autres, je vous ai déjà dit précédemment, qu'il y a certaines personnes, jusqu'alors, ils sont réticents là-dessus. Quand tu parles, la personne commence par le faire, mais quand tu quittes là, c'est fini. C'est-à-dire, ces habitudes sont déjà ancrées dans leur sens, c'est ça qui fait... Mais quand déjà, c'est l'éducation de base, je peux dire, excusez-moi, c'est l'éducation de base qui a été ratée. Mais quand les parents éduquent leurs enfants à la maison, il faut pratiquer l'hygiène, tu dois cultiver les herbes, tu ne dois pas jeter les sachets en désordre. Il y a les poubelles pour ça, pour gérer les ordures. Déjà, quand l'enfant a cette notion dès le bas âge, je pense que ça va marcher. Mais si on laisse déjà et les habitudes, ça là, reviennent, c'est qu'on ne va jamais éviter. Donc, il y aura toujours ces gens de saleté dans nos communautés. Je voudrais qu'on parle un peu aussi de l'hygiène dans nos écoles. Quand nous rentrons dans les écoles, souvent, c'est un peu dommage qu'on regarde les bonnes femmes qui viennent. Est-ce que vous allez de temps en temps dans les écoles? Quelles dispositions vous prenez avec les responsables d'établissement pour que leur manque d'hygiène, le manque d'hygiène, par exemple, des bonnes femmes qui viennent vendre là, n'ait pas d'impact négatif sur la vie des élèves? Ok, souvent dans nos formations, après les formations comme ça, on met des clubs de veille. Okay. Des clubs de veille qui puissent parler des femmes, même après notre départ, qui puissent toujours réveiller les femmes par rapport à ça. Mais vous voyez qu'au début, c'est bien. Il y a une volonté engagée. Mais quand... Comme il n'y a pas une motivation, oui, il n'y a pas une motivation, vous voyez qu'après tout, il y a les gens baissent les bras. Donc, c'est ça qui fait que souvent, quand on arrive et que les dispositions qu'on donne, que la femme, les bonnes dames puissent poursuivre, si elles ne les pratiquent pas, c'est qu'on peut même dire à la femme, ce n'est pas la peine de continuer par venir ici. Parce qu'il ne sert à rien d'acheter. Tu prends ton propre argent, oui, pour acheter quelque chose et voilà, c'est du poisson que tu as acheté. Donc, c'est vraiment dommage, ça ne peut pas marcher comme ça. Alors, dans les villes de Kara, dans la ville de Kara, nous constatons quelque chose aussi, c'est
Les sachets, par exemple, de Pure Water, quand les gens boivent, ils jettent partout, même dans les établissements où on sent qu'il y a tout le temps des mobilisations, des sensibilisations, même sur le campus, hein, quand vous faites un tour là, vous êtes un peu déçu souvent, vous voyez des sachets partout. Est-ce que véritablement, vous allez dans ces établissements ou bien qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des responsables d'établissements et puis peut-être des responsables communaux dans la lutte contre l'insalubrité? Au fait, c'est ce que je vous ai dit. Souvent, on parle chaque jour. C'est des thèmes même, on doit parler en masse, en public. Chaque jour, c'est ça. Tout le monde même sait que c'est comme ça. Il doit faire pour éviter que les maladies nous arrivent par rapport à ces saletés-là. Ces comportements-là. Mais vous allez voir que les gens, il y a certaines qui le font. Par exemple, il y a des poubelles. À l'université, il y a beaucoup de poubelles mises à la disposition des étudiants. Mais tu vas voir qu'un étudiant, après avoir bu ou bien mangé, la personne jette ça par terre. Quand tu le laves, tu dis, oh, quand même, ami, tu sais qu'il y a les poubelles, tu peux pas. Toi qui es là-bas, tu connais quoi? Va prendre, aller jeter. Donc, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a manque de volonté. Et puis d'éducation. D'éducation, c'est ça. J'avais parlé au début que quand on éduque l'enfant déjà dès le bas âge, il y a déjà cette idée de propreté. L'enfant ne va jamais commettre ces erreurs-là. C'est parce qu'on n'a pas ces habitudes depuis le bas âge qu'aujourd'hui, on arrive à tous ces genres de problèmes. Alors, malgré vos efforts, malgré tout ce que vous faites, on se rend compte qu'il y a encore du chemin à faire. Quelles sont les dispositions que vous prenez dans votre association autour de vous pour que, c'est vrai, c'est difficile, mais pour que vous continuez pas à sensibiliser les gens, pour que ces mesures-là soient respectées? Nous, toujours, on ne baisse pas les bras. On continue toujours cette lutte-là. On sait que ça va aller. Ça va aller. Au fait, on sait que vraiment c'est difficile. À chaque fois, c'est les sachets, tu vois les stagnants d'eau, c'est ça qui nous amène des moustiques, tout ça. Mais quand tu parles à la personne, elle sait réellement que c'est ça, mais la personne ne le fait pas malheureusement. Donc, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est à la base. Qu'est-ce qui te coûte d'aller jeter les choses dans la poubelle? Or, il y a les poubelles. Au moins, s'il n'y avait pas de poubelle, on pouvait dire qu'on va. Mais des fois, même les classes, chaque classe même a une poubelle. Mais vous allez voir qu'il y aura toujours des sachets qui vont traîner en classe. Donc, c'est ça que je dis, c'est un peu malheureux. Mais nous, on ne baisse pas quand même les bras. On continue toujours cette lutte. Et votre objectif, c'est d'arriver à former des citoyens capables de respecter Oui, l'hygiène et puis pourquoi de. pas? Okay. Pourquoi pas? Alors, nous voulons attirer l'attention des citoyens que nous sommes. Et l'hygiène est très importante pour la santé de chaque individu. Nous devons respecter cette hygiène-là pour la bonne santé, pour notre propre bonne santé, mais pour la bonne santé de la communauté dans laquelle nous vivons. C'est sur ces mots que nous allons nous séparer en espérant nous retrouver une prochaine fois pour une nouvelle émission. Merci.